En fait, cette rencontre, nous sommes au deuxième jour en fait, de la rencontre. Cette rencontre, c'est pour prier pour notre pays, le Togo, afin que le Togo sorte de la malédiction de 60 ans. Je sais bien que Dieu a déjà résolu, Dieu a déjà tout fait, mais il faut que le peuple aussi manifeste son désir. Donc aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour, le peuple a manifesté son désir. Le peuple a manifesté sa soif de voir un Togo nouveau, un Togo régénéré. Un Togo fondé sur des bases de valeurs nouvelles. Donc nous sommes au deuxième jour, c'est l'objectif de notre rencontre. Deux jours d'intense prière, parce que est-ce que vous avez satisfaction? Bien sûr, le Seigneur nous a exaucés. Il dit que invoquez-moi et je vous répondrai. Donc là où il y a deux ou trois personnes rassemblées en son nom, il est au milieu. Donc le Seigneur nous a exaucés, il a pardonné les péchés du Togo. Ce que je souhaite désormais, c'est que les Togolais se réconcilient, que les Togolais fassent la paix entre eux et que c'est seulement que la paix qui peut construire, qui peut bâtir un pays. Donc nous avons prié pour la paix, nous avons demandé pardon pour les péchés de nos aïeux, de nos rois, de nos chefs, de nos présidents, et que Dieu tourne sa face de faveur et ses regards de faveur envers nous, et que en 2020, nous ayons un Togo nouveau en 2020. Un Togo nouveau en 2020, où nous aurons un nouveau dirigeant également, selon le plan de Dieu, selon la parole de l'Éternel.